m'est venu à l'aide infligée. Donc, si vous retenez qu'une seule chose de cette présentation tout entière, pour moi, c'est faire semblant qu'une chose a été aidante diminue l'aide dans le monde. Et moi, je pense aussi que le fait d'avoir un tabou sur les besoins, sur les demandes, des difficultés à en parler, ben ça construit un système qui est complexe et qui est violent. Donc, je suis Julie Quillet, je vais vous parler d'aide infligée avec Roméo pendant 50 minutes. On essaye de garder le timing. Je suis co-gérante associée d'ASAE, qui est une petite entreprise à laquelle je suis assez fière d'appartenir, parce que c'est un espace d'expérimentation de toutes ces choses-là, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de créer. On a au moins la moitié des fois où on se plante, mais des fois on y arrive, et c'est super satisfaisant. Et je suis aussi coach, facilitatrice et formatrice. Pour ceux qui me connaissent un peu, la communication non-violente revient régulièrement quand je parle. Ça ne va pas être une exception aujourd'hui. Je suis Roméo, on m'accuse souvent d'être coach. Alors, pour donner quelques exemples d'aide infligée, par exemple, à Noël, votre famille vous offre un chien alors que vous n'avez rien demandé. Il y a le moment où je galère vraiment avec une équipe. Je vais voir mon collègue, je lui explique un peu la situation et il me dit « Non, mais tu devrais en parler au manager. » Et là, je suis « Non, mais j'y avais pas pensé. » Et à ce moment, à la fin de ce talk lui-même, on va arriver aux questions-réponses et quelqu'un va venir dire « C'est moins une question qu'un commentaire. » Mais non, ça n'arrivera pas. Il y a ce moment où je demande à une collègue de me donner un document dans GitLab. Vous, ça paraît évident. Moi, GitLab, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et où, pour avoir le document, je dois d'abord écouter pendant 2 heures comment ça fonctionne, parce que vraiment, elle se dit que ma vie va être plus belle avec cette explication. Ce n'est pas le cas. C'est au moment où j'étais au début de ma vie professionnelle et j'ai essayé d'aider d'autres personnes avec leur code. Et du coup, j'ai prenais leur clavier et commençais à coder leur place. Et enfin, c'est ce moment où une personne de mon équipe vient m'expliquer ses difficultés et que je lui dis « Non, mais tu devrais travailler un peu sur toi, ça irait beaucoup mieux. » Enfin, un Bouddha dans cette situation, ça aurait été. Donc, globalement, si on voulait résumer ces situations, c'est un peu tous ces moments où on se convainc d'agir en faveur de l'autre, mais que ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut voir dans... Moi, ce que j'aime dans le terme d'aide infligée, c'est vraiment cette... oxymore entre l'aide où on se dit ça va être chouette et infligée, on se dit ça a l'air d'être moins chouette. Et c'est exactement ce que je vois dans l'aide infligée, c'est cette situation où on a deux réalités qui se vivent en même temps, en parallèle. La réalité en général de la personne qui aide, qui a une intention qui est positive, qui se dit la personne en face va être ravie, c'est génial, on est tous contents, enfin franchement, voilà. Et la réalité de la deuxième personne qui se dit ouais, ok, je vois bien que. Il y a vraiment envie d'aider, mais moi, ça me saoule. Alors que ce qu'on cherche à avoir, c'est de l'aide. Donc l'action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Donc globalement, pour être un peu plus concret, on a une intention, on a un résultat. C'est vachement chouette. On pourrait se demander, ok, mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? En fait, pourquoi s'inquiéter de l'aide infligée ? Une fois qu'on a défini ensemble c'est quoi ? Une fois qu'on a vu ensemble c'est quoi ? Le gros truc, c'est que d'abord, il y a un énorme gaspillage. Il y a tout cet amour que vous avez mis à émettre de l'aide, toute cette énergie, toute cette attention, tout ce don de soi d'essayer de créer quelque chose utile à quelqu'un d'autre et que tombe à plat. Réduire l'aide infligée, c'est déjà réduire toute cette frustration, tout ce gaspillage. Alors, c'est les phrases connues de Ducard. Hein. Il n'y a pas pire gaspillage que faire de la meilleure manière possible, avec la plus grande qualité possible, le truc qui ne sert à personne. Toute ressemblance avec l'informatique, make it business. Et la deuxième chose, c'est la violence. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ok, c'est pas grave, c'est neutre, ça arrive, ça n'arriverait pas, l'un dans l'autre, on n'y perd rien.
Mais c'est par exemple le mansplaining. On n'a rien demandé et on nous donne toute une explication. C'est par exemple, tu aurais dû mieux ranger ta carte bancaire quand on l'a perdue. Le truc où c'est peut-être pas le meilleur moment d'avoir un conseil aussi peu utile. Il y a toutes les petites phrases « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Donc là, proche. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ça est proche de... Comment oses-tu nous dire que c'était pas aidant ? On apprend. Et non seulement le « après tout ce que j'ai fait pour toi », il y a quelque chose de désagréable de se dire « mais moi, j'avais rien demandé ». Mais en plus, quand on vous dit ça, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez grillé tout votre potentiel, votre capital soutien. C'est déjà que j'ai fait tout ça, maintenant tu as besoin de quelque chose, mais c'est bon, enfin, je ne vais pas passer ma vie à t'aider. Donc moi, une fois que j'ai eu les 2 heures de GitLab, je n'ai pas eu mon document. C'est aussi les petits... On lui a offert une formation en communication non-violente, il n'est pas foutu de s'en servir. Donc c'est un peu le truc où on se dit, mais moi, je n'ai rien demandé, en plus, on a des attentes sur moi. Enfin, désagréable. Et toutes ces situations où les métiers, ils sont jamais contents. On a fait tout ce qu'on a pu. Bon, ils avaient rien demandé. Et on n'a pas fait exactement ce qu'ils avaient demandé. Mais en même temps, on savait mieux qu'eux. Et bon, alors, moi, c'est bon. Maintenant, je ne fais plus rien. Et c'est une équipe que j'accompagne avec une alternante qui finit son alternance. Tout le monde était convaincu qu'elle allait rester. Elle était convaincue, elle avait envie. L'équipe était convaincue, l'équipe avait envie. Et à un moment, le manager dit « Non, en fait, on ne va pas la prendre parce que ce serait mieux pour elle qu'elle diversifie ses expériences. » Quand même, enfin, il faut la sortir. Hein. C'est la violence de « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. » Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Alors, cas récurrent, et il y a des blog posts magnifiques qu'on vous partage dans la présentation que vous aurez après sur le sujet, c'est la quantité de fois où des handicapés en fauteuil roulant se voient poussés malgré eux dans les transports publics, dans la rue, etc. etc. Et du coup, il y a cette violence, ce risque même de « je suis juste à côté d'une rue, j'essaie de voir mon GPS et je ne sais pas si je veux traverser ou pas et quelqu'un commence à me traverser la rue ». J'essaie de monter une pente difficile. Il y a quelqu'un qui essaye d'aider, mais cette personne, déjà, ça me fait peur. Je ne m'attendais pas. Ça peut être risqué physiquement, avoir des dégâts physiques, des dégâts au matériel, etc., etc., etc. Donc, il y a plein de belles intentions qui peuvent générer une situation difficile qui fait que plusieurs handicapés finissent pour mettre des plaques sur le fauteuil, des pics sur le fauteuil, des choses comme ça, pour essayer de communiquer. Arrêtez de s'aider avec ça. Je vais faire un petit intermède d'en infliger. Roméo, en fait, quand tu mets ta main ici, tu coupes le micro. Donc, si vous le voyez mettre sa main ici, vous l'aideriez à juste faire ce symbole-là. Comme ça, moi, je vais continuer le talk pendant ce temps. Et donc, au-delà du fait que non seulement on n'a pas aidé, en plus, on peut nuire et on se dit « Ok, arrêtons de parler de ça pendant des heures et des heures, on peut résoudre la situation. Je vous dis que ça ne m'aide pas, on fait autre chose. » La personne qui voulait aider est contente, moi je suis contente, tout le monde est content. Mais ce qu'on observe, c'est que cette habitude, elle ne se fait pas. Et on arrive à des choses comme dans ce même article où la personne dit, un jour où elle s'est exprimée à dire « mais arrêtez de toucher mon fauteuil », où elle s'est fait insulter. Et ça paraît caricatural, mais c'est vraiment cette réaction, et vous pouvez peut-être essayer de le sentir à l'intérieur de vous si vous faites quelque chose avec vraiment l'envie d'aider et qu'on vous dit « non, mais en fait, ça ne m'aide pas ». Il peut y avoir une petite frustration jusqu'à être en colère contre la personne qui nous dit que ça n'aide pas. Mais alors, pourquoi ça arrive ? On se dit, mais qui gagne dans l'histoire ? Bon, ça arrive déjà parce que moi, je suis convaincue que tous les êtres humains ont envie de contribuer, ont envie de soutenir, ont envie d'aider. Donc l'intention, elle est là. Enfin, quand je fais quelque chose pour aider quelqu'un, j'espère que ça fonctionne. Donc il y a forcément de déception si ce n'est pas le cas. Et aussi, on a des habitudes et des normes sociales. Et parmi ces normes sociales, il y en a certaines qui sont un peu handicapantes dans la vie. Donc, par exemple, la croyance qu'on doit trouver toujours des solutions. La croyance que si je suis une bonne personne, encore plus en tant que femme, si je suis une femme bien, je vais anticiper vos besoins, je vais les deviner avant même que vous les disiez. Alors, je ne vous raconte pas si c'est mon conjoint.
mon conjoint, s'il arrive à devoir dire ce dont il a besoin, mais est-ce que je l'aime vraiment ? Vraie question, hein, c'est... Et réciproquement, mais je vais quand même pas dire de quoi j'ai besoin, parce que si la personne, elle me connaissait un petit peu, si elle m'aimait un petit peu, elle le saurait. Alors du coup, tout ça, c'est déjà un peu le bazar, mais en plus, on va y mettre notre estime de soi. Ben, si je suis une personne bien, alors je sais anticiper les besoins. Si je ne sais pas ce dont la personne a besoin, c'est pas juste je sais pas ce dont la personne a besoin. Je ne suis pas une bonne personne. Et là, sincèrement, on arrive à quelque chose de compliqué. Y compris si on dit à l'autre que c'était pas nos besoins. Comment il va l'entendre? Comment elle va l'entendre? Est-ce qu'elle va juste entendre cette action ne m'était pas utile ou tu n'es pas une bonne personne? Et ça peut sembler évident, mais je vous garantis qu'il y a un flou énorme là-dedans. Combien de personnes ici arrivent à donner un feedback honnête qu'on reçoive un cadeau qu'ils n'aiment pas? On a quatre. Même si c'est votre grand-mère? Et donc, on pourrait dire que peut-être l'aide infligée, c'est aussi le moment où on se convainc d'agir en faveur de l'autre, alors qu'on s'occupe essentiellement de nous-mêmes, de notre estime de nous, et de se dire « Ouais, aujourd'hui, j'ai quand même été une bonne personne. » Mais alors pourquoi ça arrive ? Ça arrive parce que ça marche. On est en train de vous décrire les endroits où ça ne marche pas, mais ce n'est pas de vous dire qu'il ne faut pas aider les gens, en fait, de manière générale. Vraiment, aider les gens, c'est cool. Ça arrive. Mais pourquoi l'aide infligée arrive ? Pourquoi tous ces présupposés arrivent ? Ils arrivent parce qu'ils marchent. La plupart du temps, ça marche. On est en train de décrire, juste depuis le début, cette caricature de tous les endroits où ça ne marche pas. Mais statistiquement, ça marche. Statistiquement, quand vous allez trouver un cadeau pour quelqu'un, ou une idée pour quelqu'un, ou essayer de donner aide à quelqu'un, ça marche. Ça marche. Comme ça vient de marcher maintenant, là. Donc, la plupart du temps, ça marche. Les gens le font parce qu'ils sont habitués. La première idée qui vous vient de comment aider l'autre, en général, est bonne. Quand je suis dans le métro, et que je vois quelqu'un galérer avec une valise à côté des chaises, à côté de l'escalier, bah, je ne me pose pas beaucoup de questions. Tu vois, je prends un morceau avec, on monte ensemble, on s'aide. On sait que ça marche. Et en fait, la personne veut vous aider, mais elle veut vous aider en économisant son énergie. Et vous aussi, vous voulez aider des autres, sans passer un temps énorme de négociation avec tout le monde. Et du coup, bah, vous empruntez l'autoroute. La norme. La norme vous donne un champ magnifique de comment arriver vite à quel endroit. Ben, elle ne s'applique pas à tout le monde. D'ailleurs, vous ne pouvez pas prendre l'autoroute pour aller à chaque endroit dans la vraie vie non plus. Il y a un moment, on sort de l'autoroute et on commence à tracer des chemins qui sont moins rapides. Et c'est là l'invitation. Et là où ça va passer un problème récurrent, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule autoroute, il n'y a pas qu'une seule norme. On est dans un conflit, un choc de plein de normes différentes. Plein. Vous êtes tous membres de plein de groupes différents avec de normes locales, avec des attentes locales de ce qu'est politesse, de ce qu'est aider, de ce qu'est donner de soi. Avec des non-dits implicites de « non, ça, ce truc-là, il aide pour aller rapidement, pour ne pas avoir la discussion. » Je donne des exemples souvent parce que je travaille beaucoup avec des coachs et des consultants. Et souvent, je vais voir des coachs qui vont avoir un langage d'amour précis, des consultants qui vont avoir un langage d'amour précis. Entre eux, ça marche, mais entre coach et consultant, ça ne marche pas. Je vais avoir des coachs qui vont dire « bah, bien faire ensemble, c'est impliquer tout le monde dès le départ. Impliquer tout le monde dès le départ, c'est ben, on se réjouit tous, feuille blanche, on dessine ensemble, on discute, on papote. Tant de qualités en tant que langage d'amour. Ouais. On investit du temps ensemble pour dire tu appartiens. Rings a bell? Non, peut-être. Okay. Il y a plein de consultants où leur... langage d'amour va être, en tant que norme, statistiquement, je ne parle pas de chaque individu, mais en moyenne, va être « service rendu ».
la norme locale. Et du coup, bah, point de départ, je respecte ton temps. Et je vais prendre un deck de 200 slides que je vais te donner un cadeau comme point de départ. Tout est jetable, tout est jetable. Je ne suis pas en train de t'imposer quelque chose. Je te donne un cadeau, mon temps, pour économiser le tien. C'est aussi de l'amour, c'est aussi aider. Et entre consultants, ce langage marche bien. Entre coach, ce langage marche bien. Le rendez-vous des deux normes bah, est tragique. Un des deux est en train de dire « bah tiens, 200 slides », le mec dit « mais t'as déjà fait tout le travail, tu m'inclus pas, je suis pas là depuis le départ, enfin, c'est la merde ». L'autre est en train de dire « bah on va dessiner tout ensemble », il dit « mais putain, mais tu gaspilles mon temps, t'as pas 200 slides là vite fait à me donner ». On crée un choc de deux normes qui sont en rendez-vous. Ce choc de normes qui sont en rendez-vous, bah, c'est un peu comme... le système de train en France versus le système de train dans d'autres pays voisins où on ne peut pas passer le train directement parce que bah, les rails n'ont pas la même taille, on n'a pas les mêmes normes. Ce n'est pas qu'une norme est mauvaise et l'autre est bonne. On n'est juste pas à la même. Et l'adaptation a un prix, a un coût. Ça a du sens. Et du coup, une des invitations qu'on va faire, c'est vraiment d'apprendre à partager son référentiel et d'apprendre à écouter le référentiel de l'autre. C'est vraiment ce moment où on se dit, on sort de plein de choses comme même être à l'heure à une réunion, sortir de c'est normal, c'est pas normal. C'est-à-dire, non mais moi quand c'est pas à l'heure, c'est pas chouette. Moi quand c'est rigide, c'est pas chouette. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et ça me semble d'autant plus important qu'aujourd'hui, on essaye de faire des équipes auto-organisées, on essaye de faire de l'intelligence collective, mais on a du mal à partir de ça. Et je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, dans les équipes que j'accompagne, cette tendance qu'on a à rechercher le vrai, la vraie règle, comment ça fonctionne dans une équipe auto-organisée. Mais non, mais du coup, dans une équipe auto-organisée, on se respecte, donc on arrive à l'heure. Et c'est compliqué d'intégrer une personne qui aurait un référentiel différent, parce qu'elle ne serait pas juste « moi, je le vis différemment ». Moi, je ne suis pas professionnelle et pas respectueuse. Bonjour, je m'appelle Julie. Et donc, un peu de CNV. une des choses aussi, c'est vraiment de vérifier déjà son intention. Mais qu'est-ce qui est important pour moi ? On vous a parlé de l'aide infligée. Moi, je pars du principe que c'est un échec. On voulait aider et on s'est planté. Génial, on apprend. Mais déjà, la première chose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aider ? C'est quoi mon intention ? Et quel est le coût que j'accepte de donner à ça ? Si j'ai envie d'aider en disant ben, je peux te relire ton talk pendant 5 minutes pour regarder s'il y a des fautes d'orthographe, qu'on me dit ben, génial, ça tombe bien, parce que samedi après-midi, j'ai du temps, je voudrais te le faire une première fois, tu me donnes du feedback, je te fais une deuxième fois, tu me donnes du feedback, je te fais une troisième fois. Et il y a aide et aide. On ne dit pas oui à tout, ce n'est pas j'aide ou je n'aide pas. Et donc, clarifier l'intention, on va faire un passage rapide sur la communication non-violente, qui me semble être un outil qui aide à faire ce genre de chemin, c'est déjà de partir de l'observation. L'observation, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'ai envie de faire déjà. Par rapport à cette situation, comment je me sens ? Donc, par exemple, quand je vois Roméo tenir son micro de cette manière-là, je vois que j'ai un peu de stress. Je me dis, non, mais d'un côté, ce serait bien de lui dire. En même temps, on lui a déjà dit. En même temps, on est en train de faire un talk. Si je passe mon talk à lui parler de son micro, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai du stress, je suis un peu peut-être perdue, je me dis est-ce que ça aide, est-ce que ça aide pas, et qu'est-ce qu'ils vont penser, enfin... Donc mes besoins, et vous voyez que c'est pas mon besoin, il y a toute une complexité, j'ai un besoin clairement de soutenir, de dire ok, on nous a expliqué comment ça fonctionnait, il y a une personne aussi qui après va essayer de faire de la cohérence dans le son, et on m'a expliqué que quand il y a de grosses alternances, ça n'aide pas, donc il y a une envie de soutenir Roméo qui a envie d'être entendu, de soutenir la personne qui s'occupe du son dans le fait de lui faciliter la vie. Et en même temps, j'ai envie de prendre soin de vous aussi en parlant des slides plutôt que du micro. Et le fait de me dire, mais comment je navigue à l'intérieur de tout ça ? Et de pouvoir vraiment y aller en disant, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et si j'ai de la clarté sur ça, je vais pouvoir commencer à avoir négociation. Bon, ici, je ne prendrai pas négociation avec vous tous. Et d'avoir une proposition. Donc, ce que j'ai fait un peu, de dire, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter de lui en parler, vous lui en parlez si vous voulez,
Roméo, à partir de maintenant, je ne t'aide plus. C'était implicite, mais je pense qu'il l'a compris. Et vous êtes un certain nombre à avoir pris le relais. Merci beaucoup. Et c'est vraiment se dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Et si à ce moment-là, d'ailleurs, je vous dis, est-ce que vous pouvez faire ça? Et vous me dites, mais Julie, enfin, moi, je suis là pour écouter un talk. C'est bon, ta charge mentale, tu la gardes. Et je dis, quoi? Vous pouvez même pas? Vous êtes même pas d'accord avec ça? Vous voulez pas? Vous voulez pas soit de mon aide ou si vous voulez pas m'aider? C'est triste. Je recommence. Je vais clarifier mon intention. Si je commence à être en colère contre la personne que je voulais aider, il est possible que mon intention principale, c'était pas vraiment de l'aider. Et c'est OK, mais c'est sympa de le savoir. Et pour moi et pour la personne en face. Donc là, on est vraiment sur l'intention qui est même, pour moi, le préalable à tout. Et encore une fois, c'est compliqué, on va pas le faire à chaque fois qu'on veut intervenir de « Ah, il y a une personne, je reprends l'exemple de la valise dans le métro, il y a une personne avec une valise dans le métro, et je vais l'aider. Ah, est-ce que c'est vraiment pour moi important de l'aider ou est-ce que c'est mon estime de moi que je nourris ici ?» Non, je vois que ça me ferait plaisir, je vais pas le faire. C'est pas la proposition. Et du coup, on va partir sur d'autres... on va partir sur la demande. Et du coup, aussi, d'apprendre à demander. Demander et entendre une demande. Ça veut dire aussi apprendre à dire non à une demande. C'est aussi toutes ces zones dans lesquelles on ne va pas parce qu'on ne sait pas quoi faire du non, on ne sait pas quoi faire du désaccord. Donc ça nous fait quand même une grosse zone dans laquelle on ne rentre pas. Et vis-à-vis de la demande, on peut facilement rentrer dans des rôles. Donc, par exemple, le rôle de... Je suis tellement douée. Je sais anticiper les besoins des autres. Je suis tellement forte à ça. Et du coup, je suis très en colère contre les personnes qui me renvoient une autre image de moi. Ce qui peut, quand je suis très en colère, amener à, après tout ce que j'ai fait pour toi, dont on a déjà parlé. Un autre rôle, c'est, non mais moi de toute façon, je sais pas ce qui est bon pour moi. Mais honnêtement, si je suis honnête avec vous, je suis pas sûre que j'ai des besoins. Moi, ce qui est important, c'est que les autres aillent bien. Ça met une sacrée charge sur la personne en face d'essayer de deviner, hein, parce que il n'y a personne pour qui c'est vrai. Donc la personne, juste qu'il ne vous les donne pas, elle vous donne juste une énigme. Et en plus, si jamais on rentre dans une dynamique de pouvoir aider ces personnes qui n'expriment pas leurs besoins, on prend aussi le risque, à la fin, de pouvoir avoir un petit « mais moi, j'ai rien demandé. Oui, tu fais ça depuis tes années, etc., mais je n'ai rien demandé. » Oui, tu fais le ménage, la nourriture, tu t'occupes des enfants, mais j'ai rien demandé, moi. Et l'invitation n'est pas non plus de passer de l'autre côté et dire, oui, bon, en même temps, la personne n'a pas demandé, je ne l'aide plus. Donc, quand je vous mets tout ça, en fait, je vous dis, il n'y a pas de solution parfaite. Désolée. Mais c'est vraiment le fait de prendre conscience de ces mécanismes, de qu'est-ce que, à quoi je dis oui quand j'interagis de cette manière-là. Quand je ne pose pas de demande et j'attends que l'autre devine, et que je suis en colère s'il n'a pas deviné ou s'il a mal deviné. Quand je suis en colère, quand une personne me dit « moi j'ai déjà fait ça, j'aimerais que tu fasses ça ». De quoi on prend soin et comment on fonctionne en tant que groupe, en tant qu'équipe, si toute cette zone, mais qui est énorme, de zone de demande, de zone de non, de zone de négociation, elle n'est plus à portée de main. Et on va vous dérouler un petit exemple pour voir des propositions, au-delà de l'intention et juste de prendre en compte les mécaniques qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Que faire de tout ça? Voilà. Donc, petite situation, j'ai un coach agile, ici, qui m'aide parce que je viens d'avoir une nouvelle mission de Scrum Master. Je débute aujourd'hui. Non, j'ai débuté il y a quelques jours. Et globalement, ça se passe plutôt bien. Mon équipe est chouette, tout se passe super bien. Par contre, la rétrospective, mais je galère. Ils parlent pas, ils disent rien, on ne fait que parler de l'extérieur, ils prennent pas d'action, ou si par hasard ils en prennent une, de toute façon, elle sera pas suivie. Enfin, c'est une catastrophe. Et à la dernière rétrospective, du coup, Roméo est venu, je recule un coup, Roméo est venu, il a fait toute la facilitation, ça s'est bien passé, mais voilà. Dialogue interne. J'ai hax. Et ouais, ça s'est bien passé, quoi. J'ai réussi à débloquer toutes les choses qui étaient essentielles. Les gens ont pris des décisions. Les gens ont réussi à participer. Là, Scrum Master a pu voir à quoi ça ressemblait de bien faire. Job done.
Alors moi, je suis encore plus perdue qu'avant. Déjà avant, c'était le bordel, mais on était en équipe dans le bordel. Maintenant, c'est toujours le bordel. Mais en plus, ils me disent, oui, bah, quand Roméo est là, ça se passe mieux. Et en plus, bah, les rétrospectives, on n'en fait pas tous les jours. Et moi, j'ai perdu une occasion d'expérimenter. Donc, je suis avec mon problème un peu plus longtemps, alors qu'à minima, s'il n'avait pas été là, bah, je me serais confrontée à la problématique. Donc, quand je sais que ces situations arrivent, avant la situation, déjà, je peux essayer de l'éviter. Plusieurs stratégies pour l'éviter. Je peux déjà dire que j'ai besoin d'aide. Et encore mieux, dire qu'est-ce qui serait aidant pour moi. Par exemple, Roméo, je galère avec ma rétrospective, je sais que tu es là pour m'aider. Moi, ce qui m'aiderait, c'est de te dérouler un peu ce que je compte faire. Et que tu puisses me dire si toi, tu vois des choses que j'ai mal anticipées, ou tu dis, tiens, si tu faisais ça fonctionnerait mieux, et que je puisse expérimenter. Du coup, dans cette proposition, cet exemple qui est en train de donner là, si on prend le recul dessus, elle est en train de nous donner une proposition concrète pour qu'on puisse négocier dessus. On est en train de pouvoir jouer sur quelle stratégie est en train de prise, quel besoin ça prend. On peut négocier. Et de mon côté, un truc que je pourrais faire, c'est plutôt que déjà la proposer une question ouverte, qu'est-ce qui pourrait t'aider quand on fait la rétro? Si je fais ça, ça peut peut-être diminuer un peu la probabilité. Ou bien je peux venir avec une proposition concrète de « Hey, mon idée ici, c'est de faciliter une rétro entière pour que ça se passe bien et que tu puisses me voir. Est-ce que ça serait aidant pour toi ?» Et vous voyez, là, il y a vraiment toute une démarche d'alignement des deux côtés. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que dans une relation, d'une manière générale, on a toujours la personne qui aide, peut essayer d'éviter, d'anticiper l'aide infligée en disant « voilà mes intentions, est-ce que ça correspond plus ou moins ?» Et encore une fois, on n'essaie pas d'éviter l'erreur. Hein. Peut-être que je vais dire « mais oui, c'est génial si tu facilites » et qu'après coup, je me dis « j'ai pas aimé, ok, on a appris ». Et du côté de la personne aidée, de pouvoir vraiment prendre la responsabilité de qu'est-ce qui serait juste pour moi. Moi, ce qui m'aiderait, c'est ça. Le truc, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir prévu avant. Cette technique, utiliser la CNV avant, marche. Ça réduit beaucoup l'aide infligée. Mais on ne pense pas toujours, tout le temps, avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant, après? Donc, après, il y a déjà toute la partie de feedback. Dans cet après-là, du coup, on n'a pas fait avant du tout. Voilà. Donc, c'est prendre ce temps, oser dire à la personne, voilà ce que j'ai apprécié, voilà ce qui n'était pas aidant pour moi. C'est aussi augmenter la connaissance réciproque, c'est-à-dire que ça peut sembler laborieux, mais plus on le fait, plus on va savoir. Plus on va savoir, bah, tiens, avec Roméo, c'est ça qui est aidant, avec Julie, c'est ça qui est aidant, avec quelqu'un d'autre, ce sera encore quelque chose d'autre. Là, de pouvoir lui dire, bah, Roméo, tu sais, le moment qu'on a pris avant pour travailler ensemble, c'était super utile, je vois que j'ai appris des choses, mais alors par contre, le fait que tu prennes le lead sur toute la rétrospective, moi, j'ai pas appris grand-chose, et en plus, c'est saoulant pour moi. Je suis un peu cash dans mes feedbacks. Et de pouvoir aussi faire des propositions concrètes. Donc de pouvoir dire, bah, c'est difficile pour moi d'apprendre en observant. Ma manière d'apprendre, c'est de faire. Je préfère me planter, essayer, avoir du feedback, que de regarder 5 fois. Enfin, je regarde 5 fois quelqu'un qui fait quelque chose parfaitement. Je me dis à chaque fois que c'est facile, mais quand j'essaye, vous connaissez peut-être ça avec des vidéos YouTube qui vous montrent des trucs fantastiques, vous dites, ouais, facile, et non. Et à l'inverse, si elle ne faisait pas ça, ce feedback-là, et que moi, je voulais capter et diminuer les chances d'être infligée, en tant que personne qui offre de l'aide, j'aurais pu, moi, a posteriori, demander bah, est-ce que ça a été utile pour toi? Qu'est-ce que ça a nourri pour toi? Qu'est-ce que ça a aidé pour toi? Et même demander est-ce que je peux changer quelque chose pour la prochaine fois que ce soit encore plus utile pour toi? Alors, ça a l'air bête, quand on dit tout ça. Et on va revenir sur ça, l'air bête. Mais ça reste de créer des espaces pour pouvoir accueillir, pouvoir vérifier, tester, est-ce que l'aide qui a été donnée a été vraiment utile, et pouvoir créer l'espace sécurité de pouvoir les discuter. On va arriver sur ça, les bêtes, bientôt. Et il y a aussi pendant, parce que des fois on s'en rend compte pendant, donc ça ne sert à pas grand-chose pour la personne qui reçoit.
Donc, une des choses, c'est de faire une contre-proposition. Donc, la contre-proposition, elle peut prendre plein de formes différentes, mais dire, OK, est-ce que je... Romeo, j'aimerais prendre toute la partie de plan d'action, de pouvoir vraiment interagir. En fonction des circonstances, vous allez avoir plus ou moins de facilité à le faire. Mais il y a vraiment cet endroit de passer de l'intérieur de moi à « Ah, j'aime pas ce qui se passe, de toute façon, c'est pas cool », à « Qu'est-ce que je peux faire de différent pour que ce soit plus cool pour moi ?» Et ça, c'est un vrai switch. Et quand ça s'est passé, quand ce switch, il est là, on essaye. Mais en tout cas, à minima, on est deux à galérer. Et il n'y a pas une personne qui doit deviner. Et OK, est-ce que moi, j'aimerais faire ça ? Et une chose que je peux faire en tant qu'animateur, en tant qu'aidant, c'est de vérifier tout le long. Finalement, vérifier de l'aide, c'est un peu comme vérifier de consentement. On peut enlever consentement tout état. Ce n'est pas parce que la personne a dit oui que ça reste oui. Et quand j'ai donné de l'aide au départ, même si on avait un présupposé de oui, je peux continuer à vérifier. Ah, est-ce que c'est toujours aidant pour toi ? Et ça peut être par un petit SMS ou autre chose, etc. Enfin, par une autre voix. Est-ce que tu aimerais que je réexplique le principe de rétro-positif, par exemple ? Tu peux poser une question très ouverte, mais qui vérifie toujours l'utilité de la démarche. Et vous pouvez vraiment voir le fait d'être dans de la co-construction, le fait d'émettre échange, d'émettre chercher solution ensemble. Et il y a quelque chose, moi je vois en tant que formatrice, le nombre de fois où j'arrive à donner une formation et je demande quelles sont vos attentes. On fait un tour de table, personne n'a d'attente. Moi je dis génial, je ne peux pas les décevoir. Et à la fin, pour des raisons X ou Y, on doit faire un questionnaire et c'est écrit est-ce que ça répond à vos attentes ? Et en général, les gens disent ouais, pas trop. Mais je vous assure, c'est dur de répondre aux attentes d'une personne qui ne sait même pas ses propres attentes. C'est vraiment dur. Et là, encore une fois, on voit que c'est vraiment une dynamique quand même qui est de la co-construction, que ce soit en amont, pendant ou après. Et c'est pas en permanence faire l'intégralité de tout ça. Enfin, moi, j'adore, hein, mais il y a des gens qui vont dire « OK, on peut peut-être faire la rétrospective aussi. » Mais vraiment, de se donner des chances, surtout au moment où on sent qu'on commence à être irrité, au moment où on se dit « ça ne m'aide pas ». Le moment où il y a tension. Et un point dont on n'a pas parlé, parce que c'est dur de le mettre en phrase, mais c'est aussi, de l'autre côté, apprendre à recevoir. C'est-à-dire apprendre à mettre une action pour aider et que les personnes disent « ça ne m'aide pas ». Et de faire ce chemin, de dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire de différent ?» plutôt que d'essayer de partir dans un jeu de « ça ne t'aide pas, mais vraiment, j'avais envie de t'aider. Okay. » Apprendre à recevoir passe par la case « apprendre à accueillir soi-même le fait qu'on vit peut-être mal ». La personne nous dit « non, on vit mal, on prend 2 secondes pour accueillir. OK, c'est normal qu'on vive mal, j'ai un sentiment. À quoi il est attaché ? Qu'est-ce que j'ai derrière ça ?» avant de retourner à l'autre. Et la raison pour laquelle ça nous semble essentiel de parler de ce sujet, je dirais même de ces sujets, de toutes ces zones dans lesquelles on ne va pas, dans toutes les zones dont on essaye de s'émanciper, de dire « non, mais je ne vais plus vraiment avoir besoin, non, mais on n'a plus vraiment besoin de se confronter en entreprise, et puis non, mais même à la maison, etc. » et de réduire petit à petit cet espace où on gère du désaccord. C'est que, pour moi, en diminuant cet espace, on diminue aussi les espaces où on peut être différent du groupe dans lequel on est. Je n'ai plus non plus la sécurité. La sécurité de dire « ça ne m'aide pas ». Donc il y a un gaspillage de temps, d'énergie qui est phénoménal. Je ne comprends pas comment on peut prétendre à de l'auto-organisation ou de l'intelligence collective si on n'a pas de place pour vraiment accueillir la diversité des manières d'être. Et la manière dont je suis aidée, elle est aussi différente de la manière des autres d'être aidée. Et essayer d'homogénéiser tout ça, c'est juste se dire « non mais on change de modèle ». Mais est-ce qu'on change vraiment de modèle si on change des choses futiles qui sont... on ne va pas décider en faisant ce protocole, on va décider en faisant ce protocole, et c'est tout le monde de la même manière. Est-ce que vraiment, on n'est plus en intelligence collective ? Ça crée des organisations apprenantes. Ça crée des boucles de feedback.
ça nous apprend à comment on interagit avec des personnes qui sont différentes de nous. Et on parle de plus en plus de la diversité, mais on est assez peu en fait outillés à vraiment avoir ces échanges de « ça ne fonctionne pas pour moi ». Et comment, à partir de « ça ne fonctionne pas pour moi », rentrer dans le dialogue « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne pour toi et moi ?» plutôt que « attends, c'est parce que tu n'as pas compris, si je te réexplique, tu vas voir pourquoi ça fonctionne pour toi ». Et enfin, un ingrédient qui me semble essentiel aussi, c'est tout ce qui est l'autonomie et la responsabilité. Et quand j'arrive à dire qu'est-ce qui m'aide, ben je prends ma responsabilité. Mais je gagne aussi en autonomie. Je n'ai plus besoin d'essayer d'être soutenue de la même manière que tout le monde. Et réciproquement, pour la personne qui aide, ben ça permet de prendre la responsabilité. J'ai envie d'aider. Si je me plante, ben ok, je réessaye. Et ce n'est pas l'autre qui est responsable de nourrir mon estime de moi en faisant semblant que je l'ai aidé, alors que je ne l'ai pas aidé. Parce que sinon, après, je pense... Et on simplifie en fait les situations. J'arrive un peu au moment où j'avais dit tout à l'heure, c'est un peu trop simpliste, c'est un peu trop facile, ça ne marche pas partout. En fait, les techniques qu'on avait émises tout à l'heure, les 6 techniques de nos tableaux, toute cette idée qu'on avait émise, elles passent d'un présupposé qui est un peu naïf, que vous avez sécurité. Ouais, vous dites, ok, j'essaye. Bon, ça a l'air un peu bête, etc., bête méchant, mais j'essaye. Je vais pratiquer toute cette forme d'interrompre l'autre, toutes ces formes d'expliquer d'où je viens, toutes ces formes de rétrospecter, toutes ces formes de planifier. Mais tout ce truc-là, bah, déjà, ça prend du temps, de l'énergie, je sais pas si je veux faire ça avec tout le monde. Et puis, tout ce truc-là, ça requiert une certaine sécurité, une certaine intimité, une certaine confiance dans l'autre. Est-ce que vous vous sentez déjà prête, tous, à faire ça aujourd'hui avec n'importe qui que vous travaillez avec? Probablement non. C'est pas direct. Et c'est là où je vais donner une... Je crois que j'ai fini tous mes talks par ça, et je suis désolé, c'est spoiler alert, je vais finir encore un talk par ça. Mais c'est là où il est nécessaire la création d'un espace de conspiration, un espace de sécurité dans lequel vous vous entraînez à pratiquer de manière délibérée de faire ces choses-là avec des gens qui vous faites confiance pour gagner les compétences nécessaires pour le faire dément plus rapidement et plus facilement avec des gens dont vous ne faites pas confiance. Et sans ces espaces de conspiration, ben, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui est incroyablement naïf, ne pourrait pas marcher. C'est une étape trop élevée. Trop élevée. On est en train de zoomer. On est en train de zoomer pour naviguer. On est en train de zoomer pour naviguer, pour se rendre compte. On est en train de zoomer pour se naviguer, pour se rendre compte, pour comprendre des concepts, comprendre ce qu'on sent, des choses qu'on ne comprend pas complètement encore. Et le travail de comprendre en même temps qu'on essaye d'agir, ben c'est beaucoup, en fait. Et du coup, se donner le temps de compréhension, ben, finalement, ça revient beaucoup à un talk que je donnais avec Sarah Dufour au Mix IT l'année dernière. C'est faites l'herméneutique, faites la violence herméneutique, réduire la violence herméneutique. Vous pouvez trouver sur vidéo. Mais c'est ce travail d'essayer de raisonner, de faire sens du monde ensemble. Et il est dangereux de faire ce travail tout seul. Et vous n'arrivez pas à faire ce travail avec des gens avec qui vous ne vivez pas sécurité. Du coup, le point de départ, c'est trouver appartenance. Et peut-être que même ici, à Mixechi, ça peut être un bon endroit pour commencer à trouver les premières personnes si vous n'avez pas aujourd'hui. Et au-delà de faire herméneutique, de favoriser discussion, conspirer. Le travail de conspiration est un travail de transformation. Le travail de transformation est un travail révolutionnaire. Du coup, apprendre à dire non, apprendre à arriver et dire ce cadeau que vous me venez de donner, il ne m'aide pas. Et il change le monde. Il change le monde parce que chaque fois que vous acceptez sans rien dire, vous contribuez à que l'autoroute continue à exister et que tout le monde la prenne. Au moment où vous faites ça, vous réduisez l'aide de le monde.
Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint ». J'accompagne des personnes, j'accompagne des équipes, et je crois qu'il y a un réel désir de réussir à arriver à cet endroit-là où vraiment on se voit. On se voit les uns, les autres, les unes, les autres. Le fait de dire « je vois ce qui est aidant pour toi ». Et j'ai envie d'être vue dans ce qui est aidant pour moi. Je te vois dans la personne que tu es, avec tes spécificités, ta définition de ce qu'est le respect. Et je suis vue dans les points communs, mais aussi dans les différences. Et je vois tous ces endroits, avec toutes ces personnes qui ont envie de créer ça. Et je vois cet énorme endroit où personne ne va, et où tout le monde essaye d'être exactement comme j'imagine que l'autre veut que je sois pour être accepté. Et donc je ne dis pas non. Et j'aide même si je n'ai pas envie d'aider. Et j'aide de la manière dont j'imagine qu'il faut que j'aide. Et je dis ce que j'imagine qu'il faut dire. Et tout ça, l'un dans l'autre, et ben, ça crée tout un espace d'interdit implicite. Hein. Personne ne dit jamais dans une équipe, ça c'est des sujets tabous, on n'y va pas. Mais on n'y va pas. Vous connaissez vos sujets tabous. Vous n'avez pas fait l'herméneutique de vous, mais vous voyez plus ou moins. Et c'est cette tristesse, en fait, que moi, c'est ce qui me motive à être là, parce qu'en effet, j'ai aussi des besoins quand je fais un talk, c'est vraiment ce fait de se dire, mais peut-être que si on a tous et toutes envie de pouvoir changer les choses, de pouvoir se rencontrer dans des individualités, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais comment faire pour faire un premier pas? Parce que si je suis toute seule au milieu, dans une zone où il n'y a personne, ben, ce n'est pas très confortable. Donc ah oui, non, c'est bien. Oui. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail out... See, you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. Ow. If you would just... Don't! Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Du coup, oui, it's not about the nail. Aider la personne passe par connexion avec. Si la personne, ce qu'elle a besoin, c'est d'empathie, même si vous êtes complètement persuadé qu'elle a besoin d'autre chose, si vous n'êtes pas aligné dessus, ben ça va être compliqué. Fais semblant qu'une chose est aidante, diminue l'aide dans le monde. Et les tabous sur les besoins et les demandes rendent le système complexe et violent. Merci beaucoup.